Et bonjour les gens, c'est Mister Noz et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode 38, ouais on va dire 38 de Staxel, le let's play, la saison 2. On glisse tout doucement vers une troisième saison, je prépare tout ça. Et bonne nouvelle, le multi devrait être disponible, enfin il est disponible, mais normalement j'ai compris comment ça marche. Bah écoutez, si ça vous intéresse, je peux vous montrer vite fait. Ce que j'ai cherché à comprendre sans chercher les infos, j'ai cherché les infos, j'ai compris. Alors, si vous voulez faire du multi, pas la peine forcément d'aller sur multijoueur, parce que soit vous avez un serveur, soit vous en avez pas. Si vous en avez pas, normalement c'est possible quand même. Avec vos amis, donc un joueur, vous allez sur la croix, autorisez les amis à rejoindre, Shift plus Tab pour ouvrir le menu Steam. Vous avez vos amis qui sont là, tiens Toto, si t'avais Staxel, tu ferais des trucs de ouf. Et ensuite, vous allez sur l'ami que vous avez envie d'inviter, le petit triangle, la petite flèche, et inviter à jouer à Staxel. Et voilà, et normalement, ça se fait tout seul. Vous pouvez le faire en cours de partie. Donc, bah comme ça, vous êtes au courant maintenant. Bref, c'est cool. La saison 3 risque d'être prometteuse. Ça va être sympa. Sur ce, let's go to the fun. Bonjour grosse tête. Salut, ça va bien, bonjour. Bonjour, on est le premier jour de printemps. Qu'est-ce qui nous attend? On sait pas, on va voir. Enfin si, je sais un petit peu, j'ai prévu 2-3 trucs. J'ai avancé dans la quête de Ria entre autres. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Pour l'instant, bah, bah c'est tout vide. Comment ça se fait que c'est tout vide? Eh ben on a prévu des trucs. Bah oui, parce que vous avez vu dans l'épisode précédent, j'ai construit une ferme, donc bah j'ai déménagé mes petites affaires. J'avais pas envie de vous montrer ça en plein jeu, en plein enregistrement, donc j'ai fait ça en off. J'ai rajouté de la terre, hop, autour de mon champ. Souvenez-vous, j'avais mis des briques vertes qui étaient pas belles. Donc bah voilà, la nature reprend le dessus sur le champ. Et on va aller quitter cet endroit. Est-ce qu'on a des fruits à ramasser? Ben non, je les ai ramassés juste avant. Est-ce que ça a poussé entre temps? Remarquez, j'ai peut-être ça à récolter. Non, non, non. Ok, bon bah c'est très bien. Peut-être les abeilles. Peut-être les abeilles. Oui, les abeilles. On va quand même prendre le miel des les abeilles. Qu'elles seront contentes et que moi aussi. Oh bah oui, parce qu'elles ont bien travaillé durant l'hiver. Il devrait pas y avoir la possibilité de récolter du miel durant l'hiver, hein. Parce qu'elles ont besoin de leur miel pour hiverner. Je sais pas si elles hivernent, on dit ça comme ça, les abeilles. Et j'ai encore Fripouille qui est en train de dégommer les boules du sapin dans mon dos. Ça va être sympa. Elle veut que je lui donne ses croquettes. Bah, elle va attendre une quarantaine de minutes, hein, parce que c'est à peu près ce que font les épisodes en termes de durée. Tiens, je vais ramasser ça. Et donc, go dans la nouvelle ferme. Premier jour de printemps. Alors, est-ce qu'on fait un champ? Est-ce qu'on va faire de l'agriculture? Je sais pas. On va aller voir... alors, j'ai été pêcher. Je suis allé pêcher. Les deux se disent. Et j'ai trouvé l'hameçon de Ria. Donc, on va aller chercher ça. Donc, déjà, on va aller valider cette première quête. Et j'ai pas récolté le miel. Si, j'ai récolté le miel. Si, j'ai récolté le miel. Ça y est, je sais plus ce que je fais. Hop, ça va pas mieux, le garçon. Toc, un coup de pioche sur les fossiles. Histoire de les ramasser, ma voix, je perds ma voix. Donc j'ai bricolé un petit peu, j'ai fait du rangement. Tiens, bah là, on va continuer à faire un petit peu de cuisson. Les œufs à la coque, j'ai rien ici de prévu. Non, j'ai rien de prévu. On va donner à manger à Délice, on va ranger tout ça. Les fruits, alors mes graines qui sont là, mes fruits qui sont ici. Mandarines, poires, hop. Ça m'étonne toujours qu'on ramasse les poires en hiver, mais bon... À part ça, tout va bien. Ah, champignons géants que j'ai récolté. On va en prendre au moins un pour donner à Cyrana. C'est la quête de Cyrana, sachant qu'on peut les poser sur le sol, les champignons géants, histoire de faire un petit peu de déco. Alors, petite astuce, Cyrana, vous allez la voir. Elle vous donne un paquet de champignons, un paquet de graines de champignons géants quand c'est le moment de la quête. Vous les jetez par terre. Vous reparlez à Cyrana, elle vous redonne un paquet. Donc comme ça, moi, j'ai pu en mettre 10 de côté, des champignons géants, histoire 2, quoi. Hop, ils sont où les glands? Ils sont ici. Ça, ah, mais mince, j'aurais dû les laisser à l'ancienne ferme. On ira les replacer.
Je sais pas si on le fera maintenant ou plus tard, on verra bien. Sans doute plus tard, parti comme c'est parti. Donc nourrir le fauve, la bête. Ça, je vais le placer dans mes étagères. Ah bah déjà, on fait plein de trucs. Hein. On fait plein de trucs. Et il est où mon hameçon? Je sais plus où j'ai mis ça. J'avais commandé un truc. T'as faim toi? Non, t'as pas faim. Bah, je vais te donner à manger quand même. Parce que maintenant que j'ai la boîte avec moi, hop, je vais te donner ça. L'hameçon, il est là. Bouteille avec hameçon, enfin, je pense que c'est ça. Donc bouteille avec sa hameçon, on va aller voir si c'est le bon objet pour valider la quête de Ria. Donc voilà, les champignons géants, je les ai mis ici. J'en ai récolté 10, j'ai quelques graines. Ça, je vais replacer dans les étagères. Qu'est-ce que j'ai commandé? Qu'est-ce que j'ai commandé dont je me souviens plus? Qu'est-ce que c'est? Ah, des étagères. Oui, j'avais prévu de les mettre ici. Alors attendez. Ah, je peux les placer. Attendez, pourquoi je peux pas tourner? Ah, parce que je peux les placer que sur les côtés. Ou alors faudrait que je les place là, vraiment au-dessus. Vraiment au-dessus. Ah mince. Ah ouais, en fait, il s'aligne au poteau. Ah bah non. Ouais, voilà, OK, d'accord. Non, je suis pas obligé de l'aligner au poteau. Donne-moi mon marteau. Je vais enlever celle-ci. Mais non, pose pas le marteau. Casse l'étagère. Non, casse l'étagère. Voilà, j'espère. Elle est partie où? Elle est ici. Donc là, je vais en poser quelques-unes sur les interstices, là, entre les poutres. Ça pourrait être sympa. Là, je vais peut-être pas en mettre. Ou j'en mets 3. Ouais, c'est peut-être pas nécessaire. Donc 1, 2, 3. Et pareil de l'autre côté. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bon, bah 4 alors. Hop, ici pareil, à la même hauteur, histoire d'avoir un minimum de symétrie. C'est pas toujours bien la symétrie, mais bon, de temps en temps, ça fait pas de mal non plus. Ça, c'est les cours que j'ai eu en construction sur Minecraft qui m'ont dit il faut toujours construire en chiffres impairs. Ouais, bon, d'accord, si tu veux. Et on va reposer des étagères à un endroit où on n'en a pas besoin, c'est-à-dire ici. Alors oui, si, bah oui, j'ai dû mettre toutes mes petites bébêtes dans des caisses. Est-ce que je l'aurais prévu à un endroit? Bastien, c'est ça que je vais faire. On va les placer j'aurais dû prendre le poulailler. Ou alors j'en commande un poulailler. J'en commande un, Délice, qu'est-ce qu'on fait? On commande un poulailler, d'accord Délice. Alors, poulailler. Poulailler, mangeoire. Alors, poulailler ici, mangeoire ici, on va en commander un de chaque. Ce sera fait. Ce sera fait, ce sera plus à faire. Hop, commander, très bien. Hop, on a les deux objets, 276, ça nous coûte rien, on prend, on valide, allez, hop, ça c'est fait, youpi, oh oui, youpi, donc on a le champignon géant, on a deux quêtes à valider ici, donc go, derrière, donc en haut, j'ai rien fait, hein. J'ai encore de la place pour construire des trucs, je sais pas quoi faire, la chambre, elle est en bas, donc j'avais placé 3 lits, mais je les ai virés, est-ce qu'on n'irait pas explorer la mine un petit peu plus tard, peut-être, donc là, je vais commencer à récolter hein, les animaux, il va falloir que je les place dans le musée. Il va falloir que je place toutes les variétés de faune et de flore dans le musée en fait. À mon avis, j'ai encore une quête à valider parce que j'ai un achievement qui est pas réalisé. C'est pas ça. Alors ça doit être ça. Est-ce que c'était ici? Voilà, c'est ce fossile là que j'ai pas. Donc soit c'est en polissant des fossiles que je l'obtiens, soit c'est avec une quête. Donc je sais pas trop, mais c'est un des deux. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Donc, go G.I. Joe. Alors, c'est parti. Oh, c'est joli. J'ai terraformé ici. Il y avait une colline. Donc, je l'ai dégommé et j'ai fait une étable. Donc, petite étable. J'essaye de garder un petit peu le même schéma. Oui, les boys, c'est ça. Oui, délicieux. Oh, les mimi. Alors, du coup, on va placer le poulailler. On va le placer direct. Bah, attendez, on va placer les caisses. Déjà, donc, est-ce qu'elles sortent? J'ai dit que j'allais prendre la nourriture. Je l'ai pas prise. Donc, là. Hop, coucou, Stéphanie. Est-ce que Marguerite... Ah, je vais la placer à l'extérieur. Normalement, ça, cette porte-là, cette porte de ranch, elle empêche les animaux de s'en aller. Les barrières sont suffisamment hautes. J'ai mis un abreuvoir. Toi, tu vas faire caca dans l'eau. Hein, tout de suite. Tu veux faire des bulles? C'est ça, l'histoire. Pof, le petit mouton. Le petit cochon. C'était comment son nom? Hamilton. Voilà. Et on a les cocottes. On va les mettre à l'extérieur, les cocottes, toc, toc. On en a 4, hein, normalement. Ici, toc. Et puis, bah, comme ça, on prend le poulailler, on va le placer. J'aurais pu faire quelque chose... Ah, mais est-ce qu'elles vont sortir, les poules?
du coup. On verra. On verra, on verra. Sinon, je les capturerai, j'irai les chercher, ce sera l'aventure. Un petit poulailler. Bah écoutez, un poulailler ici. Ah mince, ça rentre pas. Ah, j'aurais bien voulu que ça rentre. Bon, bah écoutez, on va le placer là, c'est pas grave. Y a la place, il y a la place. Et la mangeoire, on pourrait... on va la mettre à côté quand même. Hein. Ici la mangeoire. Ah bah non, ça rentre pas, nickel. Ah ouais, c'est vrai qu'il y avait cette histoire. Il y avait cette histoire de gazon. Ah, je m'en souvenais plus. On peut faire ça comme ça. Ah non, c'est autour. Voilà. Non, comment on faisait? Non, faut la placer à un endroit où c'est nu. Donc, marteau. Marteau, on vire la mangeoire. Ok, d'accord. Puis je récupère ça. Hop, on va faire ça bien. Toc, toc. Et donc là, normalement, ça devrait plus poser de problème. Je vais aller les nourrir quand même, ces pauvres bêtes. Oui, Louis. Alors, est-ce qu'elles s'en vont, les poules? Paprika, est-ce que tu t'en vas? Paprika, c'est joli. Oh, normalement, si je leur donne à manger, ils devraient pas s'enfuir. Hein. On va aller voir ça. Nourrir les bêtes. Donc, on va chercher la nourriture. Je sais où ça se trouve, où j'ai placé ça. Je vais les garder sur moi. On va aller voir Cyrana ensuite, qui est pas très loin, Cyrana. Traire les vaches. Je sais pas si ça va être possible, vu que je viens de les reboot. Avec la caisse de capture, oui, je vais réussir à articuler correctement. Ça devrait bien se passer. Tu vas voir, ça va bien se passer. Ça va, Madelis? Oui, ça va, Madelis. Alors, des graines. Pour les cocottes, tiens ça. Tiens-toi, bah toi, hop, t'es tout plein de laine, je vais te tondre. Comme ça, ce sera fait. Je peux aller à l'autre bout du monde, hein. La laine viendra quand même dans mon inventaire. Oui, t'as du lait pour moi. Est-ce que t'en as deux fois? Non, t'en as qu'une fois. Alors, est-ce qu'ils vont pouvoir passer les portes aussi? Bah toi, t'as pas de lard à me donner. J'arrive, je vous donne à manger, hein, bougez pas. Fanny est en pleine de vie, c'est très bien. Allez, je remplis les auges. Hop, c'est parti. Donc deux auges pour le cochon. Je vais sans doute acheter d'autres vaches, d'autres cochons. On verra ça par la suite. Et hop, une auge ici, une auge là. Normalement, on devrait pas passer les portes, hein, les poules, j'espère. J'espère, parce que s'il faut à chaque fois escalader pour rentrer dans la ferme, c'est pas dans le pré, c'est pas super intéressant. Champignon géant, Cyrana. Alors, est-ce qu'elle est par là, Cyrana? Ah mince, j'aurais cru qu'elle serait par là. Elle est cachée où? Elle est à l'autre bout du monde? Ah bah oui, elle est à l'autre bout du monde. Ria, Cyrana. On va faire Cyrana d'abord. Allez, Cyrana. Toc. Bon, je vais faire le tour quand même, parce que sinon je vais me retrouver face à un mur, ça va pas être évident. À traverser, toc, à moins de tout casser, mais là c'est pas l'objectif. Allez, go. On avance, si on trouve des trucs. Alors, hop, bah oui, c'était l'hiver, ça s'initialise, les chunks sont en train de charger. C'est plus propre que ça n'a été, hein, le chargement des chunks, c'est pas encore tout à fait parfait. Je trouve qu'il n'y a pas assez de détails, du moins au niveau de... Comment on appelle ça? La profondeur de vue, ça porte un nom. Je sais plus. La génération de chunk, je sais plus. Mais je m'en souviendrai. Tiens, Cyrana, alors, est-ce que tu as un truc à me dire? Alors, les champignons poussent-ils nos itacs? Bah oui, pousse. C'est quoi ça? Tu te fous de moi? Regarde. Voilà, champignon. Ah, tu veux que je le place ailleurs? Bah attends, je prends mon marteau, je le récupère, et tu veux que je le mette peut-être dans ta zone? Donc faut que je fasse demi-tour, c'est ça l'idée. Oui, alors ça pousse, t'es mignonne, mais j'ai tout à refaire. D'accord, bon bah écoute, on va faire ça. Retour à l'envoyeur. Donc attends, la maison elle est où? C'est pas cette cabane là, hein. C'est cette cabane-ci là-bas, qui est près de la ferme. Bon allez hop, on y retourne. On va placer ça dans la zone de construction. Normalement c'est comme ça que ça se passe. Et du moins j'espère que c'est ça qu'il faut faire. La quête d'Alisa là, j'ai pas compris comment la valider non plus. Donc il va falloir que je cherche ou avec un coup de bol, ou sinon c'est une mage, puis c'est un petit bug, mais ça m'étonne. À mon avis c'est plus un truc que j'ai pas compris. Il y a plus de chances que ce soit une erreur humaine, quoique on verra bien, dans le futur on verra bien, ça va s'arranger. Tout ça ce sera plus facile. On va placer ça là, comme ça je suis sûr que c'est dans la zone. Et retournons voir Sissi, Sissirana, Sissi Sissurana. Allez hop, go.
Heureusement, elle est pas trop loin, on perd pas trop de... Ah, c'est déjà la fin de la journée. Mais tu rigoles ou quoi? On a rien fait, c'est le début, ça fait 5 minutes que je joue. Non, ça va pas aller, ça. Cyrana, Cyrana, je suis bien sur la bonne voie. Oui, dis-le-moi. Alors, go. On y va. Normalement, vous entendez mieux la musique, hein. Enfin, du moins, j'espère. Je l'ai paumé, Cyrana. Cyrana. Cyrana, t'es où? Elle a bougé. Oh, bah tiens, un coffre. Ah bah, je l'avais déjà ouvert. Cyrana, t'es où? Elle est où? Elle est où? Ah! Tu te fous de moi? Elle se fout de moi? Si je te cours après, elle me fait tourner en bourrique. Cyrana! Si vous l'avez vu, si vous l'avez vu quand je l'ai croisé, vous avez dû rigoler. Donc le fossile, je le laisse pour l'instant. Moi, je cours après Cyrana. Ah, mais peut-être que, voilà, c'est le fait de poser le champignon qui l'a attiré. Ou pas du tout, en fait. Elle se balade de forêt en forêt. T'es où? T'es où? T'es droit devant moi. Attends, reviens là. Hop, mais arrête de courir partout, Sissi. Reviens ici. Alors, c'est quoi cette histoire? On va la trouver, on va la trouver, on va la pécho, on va la choper. Pof, elle devrait pas être très loin. Elle est où? Cyrana, arrête de faire le cache-cache. Je te sais quand tu fais le cache-cache. Je te sais, oui, c'est très français. Là, est-ce que t'es contente? C'est parfait, nous dit Takian. Parfait, miaou. Cyrana espère que son ami décidera d'emménager, mais seul le temps nous le dira. Oui, mais c'est vrai! Peut-être que Cyrana devrait récompenser nos Isbac avec un lien d'âme. Un lien d'âme? T'es ma copine? Non, c'est peut-être mieux comme ça. Oh, Cyrana espère que ça suffira à exprimer sa gratitude. Miaou. J'essaie de retrouver sa voix, mais bon, on en fera une nouvelle. Cyrana attend ta prochaine visite avec impatience. Eh ben, on ira voir le lendemain. Journal mis à jour. On va voir qu'est-ce qu'elle me raconte. Compétition amicale. Bah oui, mais Alisa, non. Oui, bah en fait, elle va me répéter ce qu'on a dit. Est-ce qu'il y a du nouveau? Lee fait un bon ami, d'accord. Nanana. Et même ce qu'il n'a pas. Donc, j'ai bien mal réfléchi. Non, il n'y a toujours pas d'informations, quoi. Toujours pas d'informations supplémentaires sur la quête de Cyrana. De Alisa. C'est pas grave. On va aller... Oh, un chapeau! Oh, mon chapeau! Wow. Et elle m'a redonné des champignons géants. C'est très bien, ça. Bah écoute, on va passer par l'appartement, on va ranger tout ça, l'appartement, la maison, la ferme, on va ranger tout ça, puis de toute façon, ça va être l'heure de passer la journée, toc, forcément, je me mets sous les arbres, oh, un phasme, j'en ai pas des phasmes, j'en ai pas, j'en veux un, allez, hop, comment ça, ah oui, si, ok, il a cru que j'allais attraper le tronc d'arbre. La pioche, toujours utile, l'outil le plus utile, avec le marteau, toc, ici il va falloir que je fasse un petit peu de terra peut-être, moi j'ai des choses à déposer, et puis on va aller voir Ria le lendemain, ça nous aura pris la journée, déjà, hop, une journée qui est passée, on n'a rien vu, alors, champipi, champignon, hop, du caca, allez, hop, dans les étagères, le caca. Il va falloir que je crée des graines. On peut créer, si j'ai la recette, je vais pouvoir acheter toutes les recettes, d'ailleurs, du jeu. Normalement, avec mes millions de dollars. Quoique ça descend vite, allez savoir. On essaiera. Ou je le ferai en off, parce que c'est pas passionnant de... Je serai en stream, ce serait cool, mais là, je suis pas en stream, donc... Je vais pas acheter des dizaines et des dizaines de recettes, parce que ça peut être passionnant. Alors attends, le phasme, le chapeau, je vais le poser dans les étagères, ça, et ça, je le repose à la ferme. On est d'accord, et ça, je le garde avec moi. Donc, alors, phasme, les insectes, je les ai placés où les insectes? Ils sont pas là, on est d'accord. Je les ai placés où les insectes? Je fais gaffe parce que je suis pas encore habitué à l'agencement. Ah bah si, je les ai mis dans, c'est dans la chambre. Les insectes, c'est ici. Voilà. Donc, un petit phasme. Les fournitures, hop, c'est ici. Là, j'ai 3 paires de lunettes. Ça me sert à rien. Moi, je peux en vendre 2. Ça, je peux le vendre aussi. Je l'ai en double. Donc, hop, à disposer là. Là. Et ici. Toc. Champignons, cailloux, fossiles. On va les ranger à la place déterminée. Toc, toc. Et donc là, on est bon pour aller voir Ria le lendemain. C'est parti, action, réaction, comme les avions. Allez, go, dodo. Ah, oh,
Oh, ZZZ. Allez, le bruit de la scie. Wake up. Bonjour, grosse tête. Hop, c'est parti. Donc là, j'ai la mine. On ira peut-être visiter la mine, un de ces quatre. Je ne sais pas s'il y a des nouvelles choses à découvrir. Je pense pas, hein. Donc, à part des champignons orange qui clignotent, bleu qui illumine et vert qui brille, on n'a pas trop de nouvelles choses, tiens, puisque je passe par là. Hop, hop, un petit coup rapide, c'est toujours bon. Ria, Ria, viens voir, Ria. Hop, donc ça, ces champignons rares, ils nous servent à construire des meubles. On les vendra, hein, quand on aura trop. On va aller voir Fan aussi. On va donner le liquide, la l'hameçon bouteille à Ria, puis on va aller voir Fan. Voir s'il nous file des récompenses. Et donc on va retourner voir Cyrana. On a plein de trucs à faire. Ria. Ria. Miaou. Donc il y a Maximus. Ah, faut qu'on lui parle à Maximus aussi. C'est bien, plein de trucs à faire. Plein de trucs à faire en cette fin de saison. Ria, t'es là-bas. Ria. Hop, tu vas sans doute en direction de ton coin de pêche. Mais pour l'instant, t'es dans ta maison, je pense. C'est la maison de Ria, ça. Ah, et puis il y a toujours un truc qui m'intrigue. Il y a une pousse. Est-ce que j'ai toujours valise? Je sais plus dans quelle maison, je crois que c'est la maison de Maximus, mais il y a une pousse d'un arbre qui m'intrigue depuis que j'ai lancé le jeu. Et je sais pas à quoi ça sert. Il dit ouais, cette pousse pousse correctement. Et j'ai jamais essayé de la déplacer. Ma voix. Ria. Bah, t'es derrière la maison. Tu te caches toi aussi. Ah, Ria. Alors, oh! Est-ce que c'est mon hameçon porte-bonheur coincé dans cette bouteille? Miaou, bah oui, on dirait bien que oui, miaou. Est-ce que je peux avoir cette bouteille avec mon hameçon? Bah bien sûr, mais qu'est-ce qui est écrit dessus, d'accord? Je ne pense pas que ce soit ton hameçon porte-bonheur. Bah si, va me dire tant pis sinon. Je ne veux pas te lire le, je ne veux pas te lire le message, miaou. Pas encore. Mais si tu peux transmettre ça à Max, ma part, il saura quoi te donner. Et merci encore, miaou, tu ne sais pas à quel point je tiens à cet hameçon. Non, bah non, mais journal mis à jour, qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est une lettre pour... Si tu veux devenir un pêcheur, tu dois être patient. Certains poissons sont difficiles à attraper, miaou. Certains sont encore plus difficiles à trouver. D'accord, ok, c'est au crépuscule. Et à l'aube, oh, bah, fallait qu'on aille voir Maximus, il est droit devant, allons le voir. Salut Maximus, salut! Ah, serait-ce une lettre de Ria? Laisse-moi te débarrasser. D'accord. Oui, je vois. Encore cette histoire de sœur. Ah bah oui, c'est vrai qu'elle a une sœur fantôme, une sœur citrouille pendant la période d'Halloween. Tu sais, elle est venue à Staxel avec l'une d'elles. Elles étaient... Oh, j'ai dit vague encore. Je suis vraiment désolé. Ria voulait que tu obtiennes plusieurs choses de sa part. Oscar, t'es vraiment casse-pied. Hein, pour être poli. Ria voulait que tu obtiennes plusieurs choses de sa part. Permets-moi de te les envoyer. Reviens me voir si tu as envie de discuter. Ah, faut que je déplace la boîte aux lettres. D'accord. On a des choses à ranger à la ferme, donc on va aller chercher la boîte aux lettres. Je voulais faire autre chose, j'ai oublié. Go! Go, go, go. Je voulais enrichir aussi les villageois, Cécile, pour savoir si elle allait me donner une autre quête. Fan. Est-ce qu'elle est là, Fan? Fan, elle est là? Je pense que non. Si, ma fan, est-ce que t'as un truc à me donner? Bon, non, t'as rien à me donner, tu me parles en anglais, donc que dalle. On va aller chercher la boîte aux lettres. Attends, je vais déposer d'abord hop, ces trucs-là. Comme ça, je saurai hop, que je peux récolter du miel quand je passe dans le secteur. Ici, rien de nouveau. Non, le champignon, je vais pas le poser, je vais juste poser ça. Tranquillou bilou. Hop! Alors, comment ça se trame? Et il me faut ma polisseuse. Parce que je vais pas en avoir une deuxième. Donc, boîte aux lettres et polisseuse. Donne-moi mon marteau. On va d'abord lire le courrier. Tac. Ici. Hop. Alors, c'est quoi les nouvelles du jour? Bonjour. Voici les objets que Ria m'a demandé de t'envoyer. J'espère que rien n'a été abîmé pendant le trajet. Bureau du maire. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ok. Le consortium murmure, d'accord. Ouais, mais attends, il y a beaucoup trop de choses. Je verrai ça en off. Alors, qu'est-ce que c'est que tu m'as envoyé, ma petite rivière? Qu'est-ce que c'est que ça? Bateau. Ouais, ok, là, en fait, c'est de la déco. Je m'en fiche un peu. Je m'en fiche un peu, mais bon, c'est gentil quand même. Ça fait quelle taille?
Si je le pose. Ouais, ok, d'accord. Hop, je regarde le ciel. Cool, 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 cool. Donc je vais poser ça là, la polisseuse. Et puis ben on est bien, déjà on a validé des trucs. Et on va retourner voir Maximus. Et je voulais faire quoi déjà? Je sais plus. Mais bon voilà, déjà on avançait Seaside. Seaside. Apparemment, ma grand-mère tenait une épicerie dans les environs. J'ai entendu dire qu'elle a décidé de s'établir en ville dès qu'elle a eu la chance. Mais je ne sais pas ce qu'est devenu l'épicerie. Ah, mais en fait, t'es une sœur du Leaf. C'est ça que t'es en train de me dire. Ah, mais c'est pour ça que Leaf, il éprouvait moitié des choses pour Cécile. Ils sont de la même famille. Mais oui, ils sont de la même... Parce que t'as les cases, c'est les chats. Ça, j'ai mis du temps à comprendre. J'ai cru que Case était un personnage à part. On verra plus tard. Donc ça, je vais aller le poser. Un endroit où je vais l'oublier, tiens. Autant faire un parallèle. Une symétrie. Toc, toc, toc. Ici. Voilà, comme ça, j'aurai mes polisseuses. Champignons arrangés, puisque je passe par là. Go, action. Et ça ici, et bon bah écoute, où est-ce que je pourrais le placer? J'ai pas d'endroit où le mettre particulièrement. Qu'est-ce que j'ai commandé? Des pétales. Ah bah oui, c'est j'ai vendu des objets, des fringues. Bon bah voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Bah ouais, c'est comme la statuette en fait. C'est une récompense. C'est de la déco, c'est gentil, c'est mignon. Retournons voir si c'est Cyrana qu'il faut retourner voir. On va aller mater si on a un nouveau personnage qui est arrivé. Cyrana, attends, je vais aller lui parler quand même. Pour une fois qu'on la trouve direct, c'est bien. Cyrana, t'as un truc à me dire? Oh non, je n'arrive pas à trouver le téléphone à pain rose. Eh bah débrouille-toi, ma vie est fichue. Je vais chercher partout, mais c'est pas vrai. C'est un mensonge. Vas-y, crois en moi, fais-moi confiance. Moi, je me crasse. Je vais aller voir dans la maison là-bas s'il y a quelqu'un qui est arrivé. Non, apparemment non. Hein. Ça a pas l'air. Est-ce qu'on a quelqu'un ici? Non. Hein. Non, bon, à la fois, je vais pas trop laisser le temps de se pointer au village. Il n'y a pas l'air d'avoir une nouvelle tête. Peut-être le jour d'après. Donc, est-ce que je vous fais une journée supplémentaire? Ça fait des vidéos d'une heure. Après, à vous de voir. Hein. Bon, en ce moment, je ne teste pas trop de jeux gratuits parce que j'ai pas pris le temps de le faire. Donc, vous avez du Staxel. C'est bien. Pour moi, c'est plus facile. Parce que c'est des heures hein, quand même qu'il faut passer pour tester des jeux. Après, il n'y en a pas vraiment qui m'ont hypé. J'ai un jeu de cartes avec des chats à tester, à voir. Il est tout en anglais par contre, donc voilà, ça me demandait un petit peu de concentration parce que je suis pas le meilleur dans la langue de Shakespeare. Après, je me débrouille comme je peux. Je me débrouille. Toc, ça, je le prends. On va aller voir, vérifions quand même dans le village s'il n'y a pas un nouvel arrivant. Alors, et j'aurais dû prendre des objets en or. Oh non, je ferais ça en... J'aurais dû prendre des objets en or. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Ah bah oui, Fan, c'est ma voisine. Emilia, et on va aller causer à Maximus, il y a peut-être des trucs à nous dire. Ah, j'aurais bien voulu avoir une nouvelle tête. Après, on peut faire un petit peu de nettoyage en attendant. T'es au moins t'es chez toi, Maximus? Oui. Hop, enfin chez toi, dans la mairie. J'ai la gratte qui gorge. Alors, Maximus, vas-y, rentre dans ta pièce. Est-ce que t'as un truc à me dire? Nous devrions sûrement organiser plus de festivals. C'est l'une des principales sources de revenus de la ville. Bon, en été, ce serait bien, ouais. Est-ce que t'as autre chose à me dire? Je dois avouer avoir pensé à encore augmenter les impôts récemment. Bah ouais, ça va aller, on en paye assez des taxes. On aurait vraiment besoin de faire quelques rénovations. Vous devriez voir l'état de mon bureau. Pas même une seule colonne de marbre. Ça va? T'as pas des goûts de luxe? Le faste, quoi, toujours le faste. Je te prendrais bien des caisses, là. Bon, après, j'ai pas besoin de sous. J'ai vraiment pas besoin d'argent pour le moment. Voilà, 68 000 dollars. Ça le fait maintenant. 685 000. Non. Si, c'est ça, 685 000 dollars. Ça devrait le faire. Je pourrais acheter toutes les recettes. Mais bref, j'ai envie de faire ça à tête reposée. Vorlon. Bonté divine. 4 nouvelles découvertes. Laisse-moi les ajouter à mes archives. Pour ceci, tu gagnes 20 points
d'encyclopédie de Vorlon, portant ton total à 545 points. Eh ben, tu m'envoies ravi. À mon avis, à 1000 points, il va se passer un truc. Parce qu'on n'arrête pas de choper des points. Donc, il y a encore des trucs à faire, il y a encore des tableaux à faire. À 1000 points, genre, à mon avis, il y a un achievement 1005, 2000. Il y a encore des achievements. Donc, on n'a pas fini le jeu. On n'a pas fini le jeu. On n'est pas copain avec tout le monde. Pas encore. Ça, j'ai rien de plus. On va retourner à la ferme. On va retourner à la ferme. On va faire un petit peu de place. Et j'aimerais bien que... C'est pas du tout par là. C'est par où? Ben, c'est derrière l'auberge. Derrière la taverne. Et d'où la taverne? Elle est là, c'est bien. T'as pas les yeux en face des trous. Je cherche la taverne alors que la ferme elle est bien bien visible sur la map. Allez, go, action. Et on va voir qu'est-ce qui se trame. Est-ce qu'on peut faire un truc? Est-ce qu'on fait une nouvelle culture? Est-ce qu'on couperait pas quelques arbres là devant, là, qui nous gâchent un peu la vue? Donc, celui-là, je serais pour le virer. Tiens, donne-moi ma pioche. Hop, tête de pioche. Toc. Remarque, il y a de la place pour cumuler quelques outils. On tient, et le filet à papillon. Puisque si on croise des insectes, autant les choper au passage. Ça fera des sous pour plus tard. Ou, bah non, c'est pour le musée. C'est pour le musée. Ouais, je ferai ça pareil en off. Je regarderai ce qu'il me faut. On verra ça. Tiens, bah, une hache. Ça peut être bien, la hache. Toc. Toc. Et ici, bon, maintien enfoncé. Pour ça, c'est pratique. Donne-moi tout ça. Là aussi, toc. Et puisqu'on a un fossile qui est droit devant nous, on va le prendre. Hop, le ramasser tout de suite. Donc ici, est-ce que je prévois un champ? La dernière fois, j'avais fait un champ ici. Donc il faudrait déblayer cet emplacement. Ouais, il faudrait déblayer tout ça, quoi. Donc déjà ça, tac, 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 tac. Et ouais, prévoir l'endroit. Et ici, est-ce que j'harmoniserai pas tout ça? Là, virer la terre ici. Virer l'eau. Virer l'eau qui est là. Virer l'eau qui est ici aussi. Et faire un étang. Un peu par là. Est-ce que c'est bien? On est bien caché aussi dans la forêt, mais voilà, derrière les arbres. C'est pas plus mal, faut garder un petit côté campagnard. Moi j'aime bien la campagne, j'aime bien le rustique. Ah bah nos yeux appartiennent à notre époque, hein. Que voulez-vous? Hop, donc ça, ici j'entends un cricket. Ça je vais le démolir. Voilà, hop, ça c'est fait. Et ça je vais le démolir aussi. Voilà, voilà, j'aime la nature. Alors go, Woody Woodpecker. Ça, mettre de la terre. Après, c'est peut-être pas ce qui vous intéresse le plus. Bon, après, c'est Staxel, hein, c'est un jeu de ferme. Ouais, j'ai le temps. Ouais, non, j'ai pas le temps. Attends, je vais tailler l'herbe. Je vais être encombré de plein de pétales. Donc, j'ai pas envie de le faire maintenant. Ça, le bois, on va ranger tout ça. Le gland, tac, tac. Donc, ça, déjà priorité. Ici, j'ai envie de faire une journée supplémentaire. Au moins, essayer. Voir si on a un nouvel arrivant. Ce serait bien que ça mette pas 15 plombes. Il y a un petit papillon. Là, tout ça. Bah tiens, c'est bien, tu m'ouvres la porte. Est-ce que je t'ai nourri, Délice? Non, mais t'as pas faim. Donc ça, j'ai dû le ranger par là. Des cailloux. Hop, les cailloux, on va les mettre ici. Les cailloux. Hop là. Et ça, ici. Très bien. Les bestioles, on va les mettre par là. Puis on va faire un dodo, hein. Hop, bon, la nuit on se couche tôt, quoi, elle va passer assez vite. Allez, let's go. Et puis on va retourner voir du côté de Cyrana s'il se passe quelque chose de pertinent. J'ai aussi quelque chose à vous montrer durant l'event de printemps. Je vous montrerai ça. Je vous montrerai ça. J'ai un petit secret à dévoiler. Donc je vous montrerai ça en temps et en heure. Sans faire la quête, hein. Sans faire la quête, c'est vraiment un petit bonus. Donc les bestioles, elles vont avoir faim. Remarque, elles ont pas. Si, les poules, elles vont avoir faim. Les poules et Délice. T'as faim, Délice, ou pas? Ok, t'as pas faim. Et donc la nourriture pour les bébêtes. Toc, toc, c'est bon, on est reparti dans le rituel. Là, j'ai des champignons géants qui me servent à rien, sauf à être cultivés. Encore pas ceux-là, ceux-là ils me servent à rien, juste à décorer ou à être vendus.
sur le tutu chapeau pointu. Alors, eh ben, eh, qu'est-ce que tu fais là, toi? Bon, alors, c'est pas au point, mon truc. Alors, avance, avance. Alors, je disais que normalement, il pourrait pas passer, hein. Mais je me suis trompé, apparemment. Mais alors, ça sert à quoi? Allez, vas-y, rentre, Louis. Parce que si je vous cours après à chaque fois, ou alors je mets une petite barrière, c'est pareil, ils vont passer par-dessus. Donc, faudrait vraiment clore l'endroit. Ah, vous allez me faire suer. Moi, hein. Oh, je trouverai une astuce. C'est là où le mode fence, fences, il était bien. Fences, c'est les barrières. Vous savez, les petits portails qui s'ouvrent. Bref, je verrai ça un petit peu plus tard. Non, normalement, les auges, elles sont pleines. Ça va, ça se passe bien, les amis. Toc, toc. Donc, êtes-vous capable de sortir et de rentrer? Vous avez déjà tout bouffé? Oh, bande de chacal. Hop. Donc ça, ici, Fanny, Hamilton, il est où mon bout de lard, Hamilton? Ah ben il est là-bas, merci Hamilton. Toc. Et ça c'est déjà vide. C'est déjà vide ça. Ah, t'as mangé comme un cochon, mon cochon. Hop, ça aussi. Bah non, ça c'est bon. Ou alors je l'avais pas rempli. Fanny, tu vas me donner du lait, s'il te plaît. T'es mignonne. Ça, c'est une bonne vache, ça. Et l'autre. Ah bah oui, j'ai cru qu'elle avait disparu. Voilà, merci bien. Et go voir Cyrana. Attends, non. Go voir la maison. Cyrana, on s'en fiche un peu. Hein, pas trop de choses à nous dire. Est-ce qu'on n'a pas un coffre là qui serait au pied d'un sapin? Puisqu'on est là, autant scruter un petit peu. Bon, après, si c'est pour 20 pétales, même 200, on s'en fiche. Donc, quand on n'aura pas de sous, pourquoi pas. Alors, ici. Est-ce que... Parce que je pense que c'est ici qu'il devrait arriver. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir du monde, hein. Hop, point d'interrogation. Qu'est-ce que c'est? Bah non, ça c'est les animaux. C'est le chat. Non, on n'a rien. Bon, Cyrana. Viens me voir, Cyrana, là, faut qu'on discute. Bon, il y avait une histoire avec tes sœurs. On va retourner voir Maximilien. Oui, salut, Nosispac. Heureusement, j'ai fini par retrouver téléphone lapin rose. Bah ouais. Crise évitée. Bah oui, bah très, très bien, t'avais pas besoin de moi. Pourquoi Cyrana n'a-t-elle pas des cheveux noirs? T'aurais été beaucoup plus approprié pour une sorcière Case. Ouais, et autre chose? Pourquoi c'est... Ouais, bah non, mais... Et ton pote, il vient quand? Parce qu'il va arriver, ça va être le lendemain, et... Ah, vous allez louper ça. Ou alors, je vous fais une ellipse. Le truc que je fais jamais. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que si je vous fais une ellipse et le lendemain, il n'y a rien du tout, ça va pas être intéressant. Donc, je vais sans doute rencontrer le personnage en off. Ah, c'est dommage. C'est dommage. On va aller retourner au village pour voir si... Attends, on va poser ça. On va retourner au village, voir si quand même il n'y a pas un nouvel arrivant, mais je pense que il devrait apparaître dans la maison dans les bois. C'est pas ici que je veux poser ça. Toc, c'est là. Toc, tic, et touc. Ça, comme ça. Et ça, hop. Comme ça, faut présenter les choses. Bien, on a quand même pas mal d'items. J'ai pas fait beaucoup de recettes, hein. J'ai même pas acheté la recette du sandwich au bacon, il me semble. Donc la bouse, toc. Bon après ça fait du bien de pas avoir trop d'agriculture à faire. Ça soulage, ça permet de faire un peu plus de construction. Ah bah tiens, puisque je passe par là. Tac, toc. On est bien? On est bien, les étagères, tout ça. Ok. Ici, bon bah on va pas faire de gros travaux non plus. Et allons voir au village. Attendez. Attendez. Ce que je peux faire par contre... Ils sont où les fruits dorés? Tiens, donne-moi ça là, les grains de café. Je vais aller voir quelques personnages. On va leur donner des fruits dorés. Tiens, hop, papillon blanc, hop, papillon de lumière. Go. Si on voit des champignons, on va les ramasser au passage aussi. Puis je pense que je vais faire de la construction moi à un moment donné. Par contre, je sais pas quoi construire. Mais j'ai envie de tester vraiment la construction au fur et à mesure, parce qu'il y a vraiment des trucs sympas à faire. En multi, ça va être sympa. Ça va être sympa. Alors après, est-ce qu'on sera en vocal, ensemble et tout? Mais au moins qu'il y ait des gens qui... bah déjà, une personne avec qui j'ai parlé, je pense que voilà, on va se faire au moins une vidéo en vocal. Mais si on n'est pas sur les mêmes horaires... De toute façon, si, on est obligé d'être sur les mêmes horaires. Si je joue, que j'invite... Contrairement aux serveurs, serveurs dédiés ou serveurs privés, on peut accéder au serveur quand on veut. Là, si j'invite quelqu'un à rejoindre ma partie, c'est quand je joue. Sinon c'est pas possible. Sinon, la personne ne peut pas rejoindre, je pense, le serveur. On verra comment ça se bidouille. Mais ça se bidouille.
Au moins, ça commence à être possible. Déjà, c'est cool. Déjà, c'est cool, je commence à comprendre un petit peu. Eris, tu m'as jamais donné de quête, Eris. Ouais, un grain de café doré, c'est pour moi, oui, c'est pour toi. Ça va me faire passer le temps. Je vais t'en donner 4 ou 5. Puis on va voir si tu me donnes une quête. J'aimerais bien que tu me donnes une quête, Eris, parce que jusqu'à présent, on n'a pas trop avancé. Peut-être Leaf, Cécile. Hop, tiens, tu prends. Est-ce que ton cœur il augmente? J'ai pas l'impression. Hein. Qui c'est qui arrive? Oscar, dégage. Tu me saoules. Il embête tout le monde. Allez, mais juste à côté de moi. Eh, hey, mais t'es pénible en fait comme mec. Déjà, t'es hautain, t'es méprisant, t'es orgueilleux et en plus t'es pénible. Est-ce que t'as un truc à me dire? J'adore passer la nuit dans les bois. Parfois, on peut attraper un essaim de lucioles. Oui, c'est vraiment impressionnant. Hein. D'accord. D'accord, merci, tu sers à rien. T'es mignonne, mais tu sers à rien. Qui c'est qu'on a autour de nous? Fan, on lui a pas donné. On pourrait donner à Fan, à Emilia aussi. Eh, hey, Ria, je t'ai fait des quêtes, ton cœur il est... Mais est-ce que les cœurs, ils se désemplissent quand on leur donne plus de cadeaux? Attends, Emilia, oui, c'est un cadeau pour toi, oui. Oui, je te le donne, attends, je t'en donne 4 ou 5, comme ça. Comme ça, tu vas pas être trop pénible. Puis on va voir si tu nous dis des trucs. C'est vraiment Cécile qu'il faut que j'aille voir. Et à chaque fois, je vais pas la voir. Allez, Emilia, remplis ton petit cœur, s'il te plaît. Hop. Ah, c'est quand même des grains de café dorés. Hein. Je me fous pas de toi. Hein. C'est un cadeau qui est précieux. Hein. Ça vaut des milliers de dollars. T'es au courant de ça, au moins, ma petite Mimi? Ouais, je vais t'appeler Mimi, ma petite Mimilia. Allez, go. Allez, prends. Et non, ton cœur se remplit pas plus que ça. Vous voulez des trésors? C'est ça l'idée? Est-ce que tu me dis un truc de particulier? Farine, où ai-je pu mettre ma farine? Ah! N'hésite pas, qu'as-tu vu ma farine? Oh, je la vois. Ça va être les meilleurs cookies. J'en suis sûr. Tu m'as jamais dit ça à la fois. Ah, mais j'avais de l'espoir, moi. Tiens. J'avais de l'espoir pour une nouvelle quête, j'y ai cru. Bon, normalement, elle doit donner mon pseudo en bleu. Ouais, enfin, bon, tu sers à rien. J'aimerais être là-bas sur la colline. Tu pètes un câble. D'accord. Oh, désolé si je chante comme une casserole. Je chantonne toujours quand je cuisine. Bah, pour l'instant, tu fais bien. Bah, attends, je vais continuer à te donner des trucs. T'es rigolote, toi. Oh, t'es rigolote. Allez. Bon, le beau chant d'Emilia. Allez, c'est parti. Je vais t'en donner encore quelques-uns. Tu me fais bien marrer. C'est bien, c'est optimisé. Allez, tiens. Prends ça. Ton cœur, il se remplit pas. Hein. Donc, est-ce que t'as un truc? Ah! Ce que je ne donnerais pas pour vivre dans un château. J'engagerais une armée de servantes. Oui, bah, c'est un majordome digne de confiance pour les machins. Là, hein, on ferait des arcs-en-ciel, machin. On sait. Bon, bah, je me casse. Cécile. C'est Cécile que je veux voir. Cécile. Donc, Oscar, on a fait ses quêtes. Donc, ok, son cœur, il se remplit, mais il est pas plein encore. Hein. C'est qu'il en faut une tartine hein, d'objets. Cécile, t'es là-bas. Donc Cécile, je vais te donner tout de suite. Hop, parce que ton cœur il est bien rempli. Et toi, tu me parlais de rotor, de dirigeable, il y avait un truc. Hein. Il y a un truc à faire avec toi. On a fait ton labo dans les derniers épisodes. Bon, c'était un petit peu laborieux, je l'avoue, je l'admets. Mais au moins comme ça, on avance dans le jeu. Je dois être à 70% de réussite, comment on appelle ça? Sur Steam là. D'achievement. Hop, allez go, prends ça. Prends ma fille. On sera content. Allez, vas-y, prends. Et est-ce que tu nous donnes un nouveau truc? Je vais encore lui en donner un ou deux. Allez, encore un. Hop, histoire d'arriver à 105 grains de café. Est-ce que tu as un nouveau truc à nous dire? Je cherche des cowboys pour une nouvelle expérience. Cela t'intéresse-t-il, Noseback? Tu me l'as déjà dit ça. Par contre, je ne peux pas te payer. Mais cela pourrait faire avancer l'humanité au prochain stage de l'évolution. Dans le cas contraire, tu pourrais finir transformé en insecte. Ah, d'accord. Donc, le rapport avec Vorlon. Les probabilités que tu transformes en insecte n'est qu'une infime possibilité. Je dirais autour de 8,1. Ce n'est pas si horrible. 8,1 gigawatts, c'est ça? 8,1 gigawatts. Non, c'est 2,21 gigawatts. Pof. Ok, Maximus,
Bah, puisque t'es à côté, je vais te donner des fruits. C'est peut-être toi le premier à me filer des quêtes intéressantes. On fait le tour, hein. On fait le tour du village. Tiens. Hop. Oui, c'est. T'avais l'air d'être en galère. Tu voulais augmenter les impôts. Donc, je me suis dit que ça pourrait t'intéresser. Au pire, je vais essayer de te corrompre un petit peu. C'est l'actualité, ça, la corruption en politique. Donc, allons-y gaiement. Hein. Hein. Allez, hop. Tiens, oui, prends. Prends. Et encore un. Et est-ce que t'auras un truc à me dire, à me donner, à les savoir, je ne sais pas. On va aller voir Leaf aussi. Alors, Hon, Zizbax, ils sont bien. Les préparatifs pour la fête de la récolte sont presque terminés. Il nous reste encore quelques petites choses à régler par-ci par-là. Peut-être que tu pourrais nous aider. D'abord, j'aimerais que tu passes rapidement voir Leaf et que tu t'assures que son magasin est prêt pour répondre à la demande. Ensuite, fais le point avec Aliza et vois s'il y a des problèmes de dernière minute pour la construction. Enfin, assure-toi que la réserve de sève de Rowan est suffisante. Avec un peu de chance, nous devrions être prêts à lancer le festival. Eh ben, c'est bien ça! Donc, y aurait-il un festival d'été? Donc là, il va me répéter tout ce qu'il vient de me dire. Eh ben, la compétition avec Amical d'Alisa, ça va peut-être se rejoindre avec ses autres quêtes. Eh ben, on va aller voir Leaf et on va aller voir Rowan. Oh, un nouveau festival! Ah! En route pour un nouveau festival. Oui, bon, bah on ira voir Leaf, c'est le magasin d'en face. On va aller voir Rowan. Rowan, hop, Rowan. Ne dis pas quelle bonne surprise. Tu peux dire à Max que j'ai une bonne réserve de sève. Je dois aujourd'hui avoir une réserve pour répondre aux besoins de Fanfan, tu vois? Oui, je vois. Tiens, tu veux un caillou? Hop, tu veux un petit clou? Tiens, apprécie mon geste. Oui, bah tiens, prends. Troisième jour. Et s'en fait un quatrième. Eh, moi, je suis motivé, là. On se fait un épisode d'une heure et des bananes sur Staxel. De toute façon, là, j'ai vraiment l'impression d'avoir commencé à jouer. Il se passe plein de trucs. Ah, puis j'ai envie d'avoir la suite. Ah, c'est bien, ça. C'est bien. J'ai pas envie qu'il y ait une fin, ce jeu-là. Parce que je le kiffe. Puis j'ai envie de me spécialiser dans Staxel. Donc, si d'ici une dizaine d'heures, j'ai fini le jeu, ça va pas être rigolo. D'où l'intérêt du multi. Oh, mince. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Mais seulement si tu peux me rendre un service en échange, j'ai pas lu. Il me disait un truc de nouveau. Pour tout te dire, j'ai un peu de mal à préparer cette sève en ce moment. Il y a des années, nous avions des ruchers partout sur l'île et j'avais un approvisionnement régulier en miel. Il va falloir que je relise, je reverrai dans l'épisode ce que j'ai loupé. Sinon, faites pause, revenez un petit peu en arrière et faites pause. Mais avec le temps, ils ont disparu et personne n'a voulu s'en occuper. Heureusement, j'avais ma réserve. Mais elle est presque épuisée. Bientôt, je ne pourrai plus faire de sève. Je suis un peu trop vieux pour me mettre à l'apiculture. T'inquiète pas, j'ai tout ce qu'il faut. J'en ai 2000 des pots de miel. Et je préférerais éviter d'avoir importé la sève de mauvaise qualité des autres îles. Mais il y a d'autres îles? Ramène-moi un peu de ton miel, 2 baies sauvages et 3 bois bruts. Et on pourra en discuter davantage. On va faire ça, on va se faire une quatrième journée. Donc, baies sauvages, bois bruts et miel. Et je vais oublier de toute façon parce que je pense à plein de trucs à la fois. Yes, mais c'est dans le journal, donc c'est cool. C'est cool. Et Leaf, allons voir Leaf. Oh bah, on va enchaîner, hein. Un nouveau festival. Bah, c'est peut-être pour ça qu'il n'y en a pas en été. En fait, il est prévu depuis le début. Mais fallait avancer dans le jeu pour faire les quêtes. Tiens, Leaf. Alors, Max me demande si le magasin est prêt à faire face à l'augmentation de la demande. Je pense qu'il surestime la popularité de cet événement. Mais dis-lui que oui, il n'y aura aucun problème. D'accord. Donc il faut que je retourne voir Maximus. Vous me faites pas courir. Tiens, tu veux un grain de café? Hop, je te donne un caillou. Allez, hop. Bon, c'est pas un caillou. Ça a quand même un petit peu plus de valeur. C'est du 24 carats hein, minimum. Donc prends-le. C'est cadeau. C'est pour toi. Hop, je t'en donne encore un. Est-ce que t'as un truc à me donner? Je suis déjà en pleine quête, donc ça m'étonnerait. Je me demande comment vont mes sœurs. Mais c'est Cécile, ta sœur. Peut-être qu'elles sont maintenant parties à la découverte du monde. J'aimerais tellement pouvoir être avec elle. Mais oui. Ah non, parce qu'il y a tout le monde qui a des sœurs ici. En fait, t'as Ria qui a des sœurs. Vous êtes tous de la même famille, bande de consangas. Maximus. Ah, ils me font courir. Et les derniers mois, le Maximus, j'ai enroué ma voix. Après, il est tôt le matin, il est là. Alors, espèce de coquin. Et tu fais ce que je t'ai fait demander. Tu dois parler avec Leaf, Aliza et Rowan. Ah, c'est Aliza qui reste. C'est juste histoire de s'assurer qu'ils sont prêts. Aliza, bah hop, c'est la route, hein, c'est droit devant nous. Aliza, mais est-ce qu'elle est dans son magasin? C'est ton douille? Bah non,
Bah non, ils sont au bar, ces alcooliques. Non, pas encore. Alisa, viens là, avant qu'il fasse nuit. On aura couru partout. Hein. Alisa, qu'est-ce que tu fais? Ils sont tous en train de lire des bouquins, c'est bien, au moins ils sont instruits. La construction, on l'a pas mal. Ah bah voilà. T'as fait du bon boulot en nous préparant le terrain à bord de nos isbecs. Ça va sacrément nous faciliter la tâche. Eh ben c'est cool, donc maintenant retourne voir Maximus. On court partout. Maximus, t'es où Maximus? Ah bah t'es chez toi, t'es couché déjà. Non bah non, t'es au bar, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Hop, go go go, l'autre qui chante, la la la. En se baladant, Maximus, tu vas voir qu'il va pas être à l'étage, il va être derrière la maison. Bah voilà. Hop, je regarde même pas dans la chambre. Il est où Maximus? Maximus. Et il me fait courir celui-là. Et j'ai pas que ça à faire, la nuit elle est en train de tomber Maximus. Il est où? Ah non, c'est Rowan, je l'ai confondu avec Maximus. Il est où Maximus? Ah mais il est bas. Maximus, viens là, on va discuter avant la nuit tombée. Enfin quoi que c'est un peu tard là. Allez, on est au crépuscule. Maximus, je te vois. Maximus, viens là, faut qu'on cause. Alors, tout le monde est bien prêt, parfait. Que la fête commence. D'accord. Je t'invite à participer autant que possible. J'ai cru voir un truc qui a bougé. Plus il y aura de participants, et plus cela intriguera et donnera envie aux autres de faire de même. Rends-toi au terrain du petit festival lorsque tu seras prêt. D'accord, et écoute, on va aller se coucher. Et le petit festival... Le terrain du petit festival, c'est le truc avec les citrouilles. On va aller se coucher. Le temps d'y arriver, de toute façon, on va se réveiller. On va même pas avoir le temps d'y arriver, tu vas voir. Fan, je te laisse. Salut, Fan. Coucou. Elle fait toujours coucou, Fan. Elle est mignonne. Farm Fan. Ça va être Fan, la fermière, en fait. Allez, go, on va se coucher ici. Allez, on enchaîne, Kushen. C'est pour moi, c'est cadeau. Gros épisode de Staxel. Allez, ça fait plaisir, c'est pour la nouvelle année, bonne année, hein, 2019, etc. Hop, on est le 3 janvier, hop, j'ai oublié de dire grosse tête. Grosse tête. Oh, champignon, très bien, il pleut. C'est parfait, petit festival, est-ce qu'on a un nouvel arrivant? Ça a pas l'air, hein. On va voir vite fait quand même. Attends. Mais c'est pas cet endroit-là. C'est à l'endroit là-bas. Je vais aller voir quand même vite fait. On sait jamais. Hop, et puis ensuite on retourne en ville. Et on vérifie cette histoire de festival. Mais d'accord, en fait, la quête d'Alisa était pas validée parce qu'on n'avait pas entamé les autres quêtes. Donc il y a une chronologie à suivre quand même. Mais on le saura. Au moins il y a la solution. On n'est pas resté bloqué longtemps. Quand même parce qu'on a fait ce qu'il fallait. Donc les quêtes secondaires avec un clic gauche. Donner les objets aux autres villageois afin que voilà ils puissent nous donner les quêtes secondaires. Je vous nourrirai plus tard hein, les animaux. Hop là. Oh, ce saut d'obstacle magnifique. Et donc ici il va rien avoir, mais au moins on aura vérifié. Est-ce qu'on a quelqu'un qui est arrivé? Non, toujours pas. Je regarde, hop ici. Non, on peut s'en aller. Et direction le village. Je pourrais me téléporter à la maison, mais bon, c'est pas le temps qu'il faut. Non, ça c'est une bûche. J'ai cru que c'était un coffre. Mauvaise pioche. Et go gadget au bras, go G.I. Joe. Hop, saut d'obstacle, tout va bien. Et le petit festival, donc ce serait le... Vous vous souvenez là, le petit emplacement avec les citrouilles? Parce qu'on avait préparé ça il y a quelques épisodes, il y a une bonne dizaine d'épisodes hein, maintenant. Normalement ça devrait le faire même plus. Donc je suis prêt, je vais me rendre au petit festival. Hein. Je m'attarde pas à ramasser les fossiles. J'aurais bien voulu un peu de soleil quand même. Mais alors non, en fait, c'est pas un event d'été. Hein. C'est vraiment un festival. Il y a une quête secondaire. Et allons voir là-bas. Il m'avait semblé. Ah, joli. Joli. Et donc qu'est-ce qu'on peut faire ici? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on a quelque chose de particulier? En fait, c'est juste de la déco ou... Ça se passe comment?
Toggle breakable, je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas à quoi ça sert, je veux pas appuyer sur le bouton. Ok, on va aller discuter, on va aller discuter avec les personnages. On va aller discuter aux personnages, bien. Jamy, tu m'as pas donné de quête secondaire. Leaf, il voulait un agrandissement. Ah, bah attends, on va aller voir Rowan si c'est la fête au village. C'est la fête au village. Et on a un lag. Hop, hop, on a un freeze. Oh, c'est plus un freeze qu'un lag. Pof, pof, pof. Oh, me fais pas peur comme ça, Sisile. Alors, est-ce que t'as un truc à me dire? Apparemment, ma grand-mère tenait une épicerie dans les environs. Je sais. Rowan, on picole ou pas? Est-ce qu'on pourrait discuter de nos isbacs? Ah bah bien sûr. Bavardons un peu. Il faut que tu installes un rucher et que tu fasses fonctionner mince, mais oui. Mais oui. Oui, je vais te chercher ça. Excuse-moi, j'avais complètement zappé mon petit Rowan. C'est derrière. Je t'apporte ça tout de suite. Donc du bois brut, des baies sauvages et du miel. Par contre, est-ce que tu vas tout prendre? Parce que si tu prends tout, ça va pas m'intéresser. Je vais t'enfiler une vingtaine à la rigueur. Je sais pas combien il t'en faut, mais je me méfie. Je me méfie parce que tu vas tout me piquer si je te donne tout. Donc on va se méfier. Papillon. Hop, je vais le poser à son emplacement. Toc. Ah bah j'en avais pas des blancs. Eh bah écoute, maintenant j'en ai. Hop, dans le bon sens, s'il te plaît. Les fruits dorés, je vais les replacer. Bon, je prévoirai une étagère entière dans le futur pour ça. Donc pour l'instant, j'en ai plus besoin. Et il nous faut des baies sauvages, du bois brut, du miel. Et du bois brut, je dois en avoir voilà, ici. Bon, le bois brut, ça me dérange pas s'il prend tout, mais attends deux secondes. Toc, toc. Donc ça, tu vois, 25, c'est bien 25 déjà. Hop, ça je le récupère. Le miel, est-ce que j'ai besoin de t'en donner autant? Non, 28, c'est bien déjà 28. Du bois, je pourrais t'en donner beaucoup, mais je vais pas t'en donner beaucoup. Bon, une vingtaine aussi, hein, pareil. Hop. Je vais reposer ça à sa place. Mais non. Ah mais mince, c'est mince. On l'a refait. On l'a refait, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais le garder avec moi, on va aller voir tout ça. Donc ça je garde. Et ça je donne. Ce que j'ai dans ma barre rapide, je le donne. Allez, c'est reparti. Et puisque je passe par là. Hop. Et hop. Et hop. Et hop. Voilà. Go. Alors, Rowan. On y va. Gros épisode. Le gros épisode. Allez. On y va. Un nouveau festival. C'est la fête au visage. C'est la fête au visage. Ça va pas mieux. Oh, il est moqueur. Ah, ça se fait pas. Voilà. Rowan. Voilà. Est-ce qu'on pourrait discuter? Mais oui, mais je te donne. Bavardons un peu. Mais, ah mince. C'est la spécialité de notre identité. La baie n'existe plus chez nous. Maintenant, laisse-moi m'occuper de ça. Regarde ailleurs, s'il te plaît. D'accord. Excuse-moi, j'ai complètement zappé. J'ai cru que tu allais me répéter la même chose. Et le voilà, l'ingrédient secret pour faire de la sève. C'est bien. Si tu suis cette recette, tu pourras faire ta propre sève quand tu voudras. Mais garde en tête que je ne vais pas t'apprendre à faire l'ingrédient secret. Tu devras venir me voir à chaque fois que tu voudras l'acheter. D'accord. C'est juste un petit quelque chose pour m'avoir aidé à éviter la faillite. Je ne sais pas ce que Farmfan aurait fait si nous avions été en cours de sève. On va aller la voir. En fait, t'avais juste besoin d'un élément. Ok, d'accord. Et ça, c'est quoi? Ingrédients secrets. Mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Les chapeaux tasse de thé. Ouais. Et ça, recette pour la tasse de sève. Très bien. Et ben, ça nous fait une recette supplémentaire. Alors ça, l'ingrédient secret, mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Alors peut-être que c'est une fiole parce que j'ai vu qu'il y avait des étagères pour les fioles aussi. Fan Farm. Hop, elle est où Fan? On va l'appeler Fan. Hop. Fan, ça y est, j'en peux plus. Mon ego, il pète un câble. Et Fan, tu me parles en anglais ou en français? Tu es là pour participer à la fête de la récolte? Laisse-moi t'expliquer rapidement les règles. Oui, s'il te plaît. C'est parti. C'est un concours de récolte, apporte ton plus beau produit et tente de gagner un prix. Avec un peu de chance, tu pourrais bien remporter le premier prix. Oui, bah me crie pas dessus. D'accord.
Et je la porte à qui, en fait? On la porte où? Maximus, je comprends rien. Je comprends rien. Attends. Apporter, mais l'apporter où? Faut le poser dans le truc du festival de je sais pas quoi, là? Attends, c'est où, déjà? C'est là, faut le poser? Il y a un endroit où faut poser, déposer le truc? Ou mon plus beau produit, ça va être une citrouille. Donc, il n'y a pas de place où exposer ça, hein? Non, non. Peut-être. Plus beau produit, ça peut être n'importe quoi. On va demander à Maximus comment ça se passe, parce que les règles, elles m'avancent pas grand-chose. Est-ce qu'il est là? Oui, alors. Que penses-tu de la fête de la récolte, Gnosis Pack? Je dois dire que ça se passe encore mieux que prévu. Je m'attendais à un peu plus de touristes, mais nous avons encore le temps. D'accord, et on n'a pas été voir si il y avait l'autre zouave qui est arrivé. Hop, attends. Normalement, j'ai pas l'impression. Sirana, elle est là. Donc si ma ferme, elle est là. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir une nouvelle tête. À mon avis, il y a une chronologie à faire. Avant. Alors, mon plus beau produit. Mais la portée à qui, mon plus beau produit? C'est ça le truc. Moi, je veux bien. Mais ça m'avance pas à grand chose. On va aller voir. On va aller retourner voir Rowan. Bah non, mais Rowan, il va rien nous dire. Mon plus beau produit, ça pourrait être l'ingrédient secret. Ça pourrait être ça, en fait, pour gagner le truc. Rowan. Il va que picture pour vous aujourd'hui. Ok, donc rien de plus. Hein. Un vieux fermier avait l'habitude de nous expliquer comment faire pousser des cultures géantes. Je ne connais personne qui ait réussi à avoir ce genre de succès depuis. Bah sinon, on fait pousser des champignons géants. Et sinon, j'ai soif, pas grand chose. J'ai acheté ton ingrédient secret, d'accord. Fais voir. Bien sûr. Ok. D'accord. Ok, tu me le donnes comme ça. D'accord. Leaf, t'avais genre des trucs à nous dire, Leaf. Donc on va retourner voir. On court partout. Ah, il va être temps d'aller se coucher. On court partout. Leaf, est-ce que t'es dans ton magasin? Oui, Leaf. Alors, comment ça se passe? Je me demande comment on veut. Mais t'es pas casse-pied? T'es pas casse-pied? Pas du tout. Est-ce que... Bah non, mince, j'ai pu... Ah, tu veux du miel? Ah, le miel, ça coûte bonbon. Tu veux du miel? Que je me trompe pas tant. Je vais mettre ça de côté parce que je vais lui filer sans faire exprès. Tu veux du miel? Un peu de miel. Oui, c'est cadeau. Je vais te corrompre. Alors, est-ce que ton petit cœur, il monte? Est-ce que ton petit cœur... Tiens, je t'en donne encore un. Est-ce que tu me dis quelque chose de nouveau maintenant que je t'ai donné ça? Hein? Les gens me demandent tout le temps de leur rendre service. Je ne dis jamais non. Parfois, cela s'avère difficile de finir dans les temps. Ouais, ben, je comprends. Ok, toi, t'as rien à me raconter. Vorlon, oh mon Dieu, est-ce une nouvelle découverte? Je dois l'achever immédiatement. Pour ceci, je peux t'accorder 5 points d'encyclopédie de Vorlon, portant ton total à 550 points. D'accord. Je sais pas pourquoi tu me donnes des points. J'ai pas. Ah si, parce que j'ai ramassé des fossiles. Jamy, tiens, prends ça. Un pot de miel, c'est cadeau. T'apprécies mon geste, oui. Et remarquez, je pourrais apporter... Ouais, non, t'as rien à me dire, en fait. Excuse-moi, j'ai voulu te donner un truc, mais je suis passé complètement à côté de l'opportunité. Hop, je te donne ça. Je t'en ai encore deux. On va voir si t'as un nouveau truc à me dire. Sinon, faut le faire, hein. Faut le faire. On va aller au bout du jeu, hein. Au bout du bout. Et donc maintenant, est-ce que tu me dis un nouveau truc? Savais-tu que tu peux récolter les champignons et les fruits autour de la ville? Ouais, je sais, vas-y, tais-toi. Qui c'est qu'on a? On va retourner voir Fan. Elle est où, Fan? Elle est là. Retournons voir Fan. Go. Alors, Fan, est-ce que ça, c'est mon plus beau produit, par exemple? Alors, tu es là pour participer à la fête de récolte. Laisse-moi t'expliquer rapidement les règles, d'accord? C'est un concours de récolte. Ah non, c'est de la récolte. Je pourrais essayer vite fait de t'apporter un truc. Ça va faire court. Ouais, attends, mais non, je suis dans la bonne direction. Mais ouais, non, ça va faire court. Donc c'est peut-être à toi que je dois apporter, je sais pas, une citrouille par exemple. On pourrait essayer de lui apporter une citrouille. Est-ce qu'on a le temps? On a peut-être le temps de lui apporter une citrouille pour voir si elle nous dit que c'est ça. On est quoi? On est au printemps. Ah, c'est peut-être un. Non mais attends, c'est des citrouilles qu'il y a sur le. Sur l'image du festival, donc ça doit être une citrouille qu'on doit lui rapporter. On va voir, on va essayer. Qu'est-ce qu'on a?
Qu'est-ce qu'on a à notre disposition? On a un petit peu de tout. Hein. Donc le plus gros produit, pof. Bah ils sont où mes citrouilles? J'ai pas de citrouilles. Attends, ils sont où mes légumes? Ça c'est les légumes coupés. Mais ils sont là. On va essayer avec une citrouille et on va essayer avec un produit de printemps. Moi j'aurais pu prendre les patates douces, tiens. Bon, on va essayer. On va essayer. Hop, direction fan, on y retourne. Donc, elle est près de la ferme. On va tenter, de toute façon, faut tenter des trucs. Donc, et il se passe des trucs avec Elisa. Ah, Elisa, on lui a pas parlé. On va essayer. Je vais lui donner une citrouille et puis on va voir ce qu'elle va dire. Donc, je vais essayer avec le clic droit et je vais essayer avec le clic gauche. Donc on verra d'abord avec le clic droit, parce qu'en général c'est comme ça qu'on valide les quêtes. Hein. Et clic gauche, c'est pour leur donner des cadeaux pour débloquer les quêtes secondaires. Comment c'est du monde ici? Donc oui, alors est-ce que ça fait... non, c'est... Non, non, bah oui, ok, d'accord. Ah, citrouille, ah, d'accord, j'en avais pas sur moi, donc ça s'affichait pas. Donc, une citrouille, ouais, j'ai déjà vu mieux, mais c'est un beau spécimen. Voici une table de jury de la fête de la récolte pour les efforts que tu as fournis. Ah, d'accord. Bah, attends, j'ai autre chose. Ah, mais attends, pomme de terre, tu veux un légume doré en fait? D'accord, qu'est-ce que tu m'as donné? Attends, et je vais te donner un concombre. D'accord, ok, on comprend. Patate douce. Super, tu as gagné un bobblehead navette. Et tu veux que je te confie un petit secret? J'ai été tellement excité par la découverte de cette nouvelle récolte, mais je n'ai pas réussi à me libérer. Je voulais participer au concours, pas m'en occuper, mais peut-être que tu peux le faire à ma place. Je veux juste voir ma récolte gagner. D'accord, en fait, tu es en train de soudoyer. Si tu plantes ces graines, je te jure que tu auras la plus belle des récoltes. Tu n'auras plus jamais rien vu de tel. Très bien. Très bien, nouveau festival. Ah, c'est la fête au village. C'est la fête au village. Alors, attends, qu'est-ce qu'elle nous a donné? Attends, on va regarder ça tout de suite. Alors, une table de jury. D'accord, banderole, on va les placer ça... on a le temps. On va aller placer ça sur la place. Hein. On va placer sur la place. Elle m'a pas donné trois trucs. Ah si, et ça. Bubble Head, navet, c'est une récompense. Et des graines de navet géant. Ok, d'accord. On va avoir des légumes géants. Trop bien. Donc ça se trouve, il y a toutes les variétés de légumes géants. On n'a pas fini le jeu. On n'a pas fini le jeu. C'est génial. C'est génial, saison 3, on fait pousser des légumes géants. On fait pousser des champignons géants, on fait pousser des légumes géants tout le temps. Est-ce qu'on va pouvoir les acheter? Est-ce qu'ils vont être disponibles après dans le... Ce Cyrana, est-ce qu'elle va nous en redonner des champignons géants? On sait pas. Attends, on va mettre les la table de jury à l'emplacement adéquat. Adéquat. Alors, go. Ah, mais oui, bah table de jury. Table de jury, on pourrait s'en occuper à sa place, mais il y avait une table de jury déjà. Tiens, fais affiche la zone. Je suis curieux. En fait, non, je suis dans les normes. Attends, on va placer ça juste devant. Toc. Ici, table de jury, banderole. Hop, on va la mettre là. La petite banderole. Tiens, ici, ça va faire sympa. C'est pas dans l'alignement trop, mais et là ce serait plus sympa. Non, bon, on va la placer là quand même, ou on la place juste derrière la table. Non, c'est même pas symétrique, si. Ouais, non, pas trop. Et sans... Donc ça, c'est... Voilà. Bon, bah, Bubblehead, navet. Ouais, bah, ça, voilà, ça fait chouette. Ça fait chouette. Allez, go, dodo. On va finir l'épisode quand même, parce que c'est le gros épisode. Allez, go, action, réaction. Faut que j'arrête de le dire. Allez, on va ramasser tout ça, on va se préparer. Et puis, moi, je vais aller faire mon petit montage. Il n'y a pas grand-chose à faire à la fois. Hop, juste couper entre le menu et le début du jeu. Et puisque je passe par là, toc, et toc. Allez, et ma citrouille, ouille, toc, ça. On va le placer. Je l'avais placé où le miel? Je l'avais placé ici. Attends, non, là ça me dérange. Il n'y a pas la petite étiquette sur le devant, c'est pas bien. Voilà, là c'est mieux. Là c'est mieux, j'ai dit. La patate douce. Toc, toc. Donc j'ai gagné le concours, c'est bien. Donc le festival, c'est toute l'année sans doute, je suppose.
le mini festival. Et Gododo, j'ai rien. Ah bah si, j'ai un, tiens, j'ai encore des trucs à ramasser. Ça, ça m'intrigue. Je sais pas quoi en faire. Ça, je vais le ramasser aussi. Le chapeau, les graines. On va les mettre de côté, les graines. Ah bah, de toute façon, j'en ai qu'un. J'en ai qu'une graine. Alors, chapeau. Alors, le bois. Ça. Là-bas. Et puis, bon, on aura fait quoi? 3-4 jours? 3-4 jours sur le... Hop. Sur cet épisode. Le chapeau tasse de café qui ne sert à rien, mais qu'on va garder quand même. Hein, c'est pour la collecte. Si vous avez la collectionnite. Et donc ça, à mettre à côté des graines dorées. Donc champignons dorés. Alors ça, les graines mix, on va les virer. Alors c'est pas que je veux, les... je veux pas les planter. Je veux les... On peut pas les placer dans les étagères. C'est un petit bug. Petit bug. Ok, d'accord. Bah, je vais garder ça de côté. Et ça, les graines, il me semble que j'avais un autre emplacement où je les rangeais. Il me semblait que je pouvais les arranger. Bah là. Voilà. Bon bah go. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu tout ça. On aura fait un gros épisode de début d'année. Sur ce, je vous fais des bisous. Et je vous dis à très 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 bientôt dans votre futur. Et ciao. Bye.